arrêté ou toute autre décision pour lesquelles on délibération en Conseil des ministres les prévoit. Conseil des ministres, ça, les voiles portées sous présentation Premier ministre ad intérim et sous dossier qui est lié à la sécurité et à l'apaisement social. Ainsi, je vais vous présenter Premier ministre ad intérim. Je vais demander pour le camp pour la presse. Monsieur Jean-Michel Lapin, lui remplacer ancien Premier ministre Jean Risséan, qui Jean nous connaît, il était renvoyé suite à une motion de censure dans la date 18 mars 2019 là, par l'Assemblée des députés. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Jean-Michel Lapin, c'est un citoyen honnête qui gravait tout échelon administration de l'État avant qu'il devienne directeur général ministère culture à communication. Ensuite, il devient ministre culture à communication. Jodia, le premier ministre AI. Constance, li, dévouement, li, professionnalisme, tout ça yo fait que li mérite largement confiance que me place dans li. En tant que Premier ministre par intérim, ou doué comme article 165 Constitution, li dit expédier les affaires courantes de l'État jusqu'à la ratification d'un nouveau Premier ministre par le Parlement. Ministre Lapin, je connais que je me confie en tâche qui loue en responsabilité difficile en pile. Pour ne pas dire en tâche qui est extrêmement difficile. Parce que le contexte là est particulier. Attention en pile. Et besoin yo immédiat. C'est tout de suite. Mais, Jean, nous connaissons. Nous avons travaillé pour que, au plus haut niveau de l'État, tout ça que vous avez besoin pour capable faire travail ou bien, Jean, où tu as commencé à faire dans le ministère de la Culture et de la Communication, je pense que tout ministre qui l'a, président de la République, là, nous solidaires ensemble avec vous pour que vous joignez les ressources nécessaires pour faire travail. Moi, je remercie pour tout sacrifice et tout effort que vous avez déjà fait pour accompagner le gouvernement. Moi, je remercie pour tout effort et tout sacrifice que vous faites déjà dans les affaires culture et communication en AVI. Moi, songez mois de décembre, qui gros sacrifice qui fait pour que des gains fait dans tout le pays. Et c'était Zeph Pau. Je dis à faut pas oublier. Chaï qui sous dos là, ce n'est pas Chaï qui pour faire mon fêter seulement. Je dis à son Chaï pour faire tout le pays à marcher. C'est responsabilité ça pour gagner. Et besoin, il y a urgent. Mesdames, messieurs, les ministres, moi compte sous pleine et entière collaboration. Collaboration qui est nécessaire pour ne pas dire indispensable pour que le Premier ministre AIA, certes, nous-mêmes avec lui, nous pourrons expédier les affaires courantes. Mais
ça m'a dit nous tout. En pile sens de responsabilité. Parce que devoir qui vient devant nous, hein, et engagement que nous supposons prendre, il est nécessaire pour nous capables de retourner service que le peuple a mérité à Bali. Je me dis ça, nous sommes dit, son conseil des ministres qui est placé sous deux angles. Il y a un qui est pour les affaires sécurité, l'autre placé sous les affaires apaisement social. Nous connaissons que moi parle quitter le pays, moi pour aller aux États-Unis, plus précisément à Miami, je vais aller rencontrer le président américain et son ensemble de leaders dans les Caraïbes. Moi-même, serviteur nous, président dominicain, premier ministre jamaïcain, premier ministre Bahamas, avec premier ministre Sainte-Lucie. Nous allons discuter des affaires sécurité pour Haïti, nous allons discuter des affaires sécurité, énergie et investissement. Parce que j'en ai toujours dit, pas un pays sous la terre que nous capable de développement sans infrastructure. Et prérequis développement, c'est eux-mêmes qui sont nécessaires. C'est pour ça que nous prenons une grosse décision pour ces affaires d'investissement avec énergie. Avec sécurité, nous allons parler parce que sécurité est nécessaire pour ne pas dire qu'il est indispensable. Pas qu'un ministre qui l'a. Bon exemple, ministre touriste, ministre santé publique qui l'a, éducation nationale. Est-ce que on l'hôpital capable de travailler sans courant? Non. Ça veut dire qu'il est nécessaire énergie. Profiter de la population que nous ne pouvons pas aller pour un peu de temps, nous tournons, nous avons pour nous donner l'explication, parce que c'est lui-même qui est souverain. Nous avons pour nous donner l'explication sur ça, nous sommes parlé avec le président américain sur les affaires du pays d'Haïti. Je veux dire, moment pas pour discours. Nous notons, Excellence, quand on dit que problème yo en pile. Chayla Lou. Oui. Problème éducation, c'est responsabilité l'État. Problème santé, c'est responsabilité l'État. Problème sécurité, c'est responsabilité l'État. Problème la vie chère, c'est responsabilité l'État. Ça m'a dit implication tout monsieur dame ministre qui l'a eu. Parce que dans chaque samedi, il y a un monde qui est concerné. Ça m'a dit implication société civile là tout, Excellence. Moment arrivé pour nous ouvrir table là, pour nous ouvrir porte là, by tout le monde qui est intéressé dans la gestion publique. Parce que je dis à c'est nous, dans 3 ans, c'est après l'autre. Dans le cadre de responsabilité que nous avons comme premier ministre, nous allons mettre tout pour nous en balance là. Pour nous ramener sécurité dans le pays. Nous allons mettre tout pour nous en balance là. En collaboration avec tous les collègues ministres qui l'ont eu pour nous attaquer. Dans le temps que nous avons fait comme premier ministre à la vie chère pour nous orienter l'action gouvernement vers la majorité qui a besoin de santé, besoin d'éducation.